Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Osimhen au Real Madrid. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et c'est parti. L'arrivée de Victor Osimhen à Madrid est-elle une bonne idée? Et est-ce que c'est possible? Tout d'abord, est-ce que la venue d'Osimhen à Madrid serait une bonne idée? Et la réponse est oui. Le Real Madrid, l'un des clubs de football les plus prestigieux et les plus titrés de l'histoire, est toujours à la recherche de nouveaux talents pour maintenir son statut de référence mondiale. L'une des propositions récentes sur la table est l'arrivée de Victor Osimhen, un attaquant prometteur de Naples. Cette thèse vise à examiner pourquoi le recrutement de Victor Osimhen au Real Madrid constituerait une bonne idée en tenant compte de ses compétences, de son potentiel de développement et de l'impact positif qu'il pourrait avoir sur le club madrilène. Dans un premier temps, Victor Osimhen a des capacités techniques remarquables. En effet, Osimhen a fait la preuve d'une grande précision devant le but, marquant régulièrement des buts à Naples et lorsqu'il évoluait avec Lille. Sa maîtrise du ballon et sa capacité à dribbler les défenseurs en font un joueur imprévisible et difficile à marquer. À seulement 23 ans, Osimhen a déjà démontré des performances impressionnante, ce qui témoigne de son talent précoce. Son potentiel d'amélioration est encore élevé, ce qui laisse entrevoir la possibilité de voir atteindre de nouveaux sommets sous les ordres de nouvel entraîneur au Real Madrid. L'arrivée de Victor Osimhen au Real Madrid serait également une bonne idée pour l'impact sur le Real Madrid. Osimhen apporterait une nouvelle dimension au Real en termes de vitesse, de mobilité et de polyvalence offensive. Sa capacité à jouer en tant qu'avant-centre ou en tant qu'attaquant de soutien offrirait des options tactiques supplémentaires à l'entraîneur madrilène. Ensuite, en intégrant Osimhen au sein de l'équipe, le Real Madrid renforcerait son attaque en offrant à ses coéquipiers tels que Vinicius ou encore Rodrigo un partenaire offensif capable de créer des espaces et de marquer des buts. Osimhen pourrait également bénéficier de la présence de joueurs expérimentés pour améliorer son jeu collectif et sa compréhension tactique. La venue de Victor Osimhen à Madrid serait également une bonne idée pour l'impact sur la notoriété et la domination du Real Madrid. On peut dire que ce serait un rayonnement international. Osimhen est un joueur populaire en Afrique et sa présence au Real Madrid a permis la visibilité et l'attrait du club dans cette région du monde. Le Real Madrid pourrait également profiter d'un marché potentiellement lucratif en termes de droits de diffusion, de sponsors et de marketing. L'arrivée d'Osimhen pourrait renforcer les chances du Real Madrid, notamment de remporter des titres nationaux et internationaux. En renforçant l'efficacité de l'attaque, les succès sportifs du club contribueraient à maintenir sa position de référence mondiale et à attirer de nouveaux talents à l'avenir. Et ensuite, est-ce que l'arrivée d'Osimhen au Real Madrid serait possible? Et la réponse est oui. Le monde du football est rempli de rumeurs de transferts qui suscitent l'enthousiasme des fans et des médias. L'une de ces rumeurs concerne Victor Osimhen, l'attaquant prometteur du Napoli, et un éventuel transfert au Real Madrid. Cette thèse, examinant les raisons pour lesquelles l'arrivée de Victor Osimhen au Real Madrid pourrait être susceptible et en prenant compte de divers aspects tels que ses performances sportives, son potentiel commercial et les besoins actuels du club. Dans un premier temps, l'arrivée de Victor Osimhen au Real Madrid serait possible car Osimhen fait de bonnes performances. En effet, Victor Osimhen a rapidement fait sensation dans le monde du football grâce à ses performances impressionnantes sur le terrain. Il a démontré un talent inné pour marquer des buts. Sa vitesse et sa technique font de lui un attaquant redoutable. Ses performances au sein du Napoli, où il a marqué un nombre significatif de buts, et démontré sa capacité à s'adapter à un grand club européen, ont retenu l'attention des principaux clubs, dont le Real Madrid. L'intégration d'Osimhen au sein de l'équipe merengue pourrait apporter une nouvelle dimension à leur ligne d'attaque et renforcer leurs chances de remporter des titres nationaux et internationaux. Le Real Madrid n'est pas seulement un club de football de renommée mondiale, mais aussi une entreprise
à part entière. Le club génère des revenus importants grâce à la vente de maillots, de droits de diffusion et à divers partenariats commerciaux. L'arrivée de Victor Osimhen en tant que jeune talent prometteur pourrait avoir un impact significatif sur le plan commercial. Osimhen est un joueur populaire sur les réseaux, ce qui pourrait permettre une base de fans plus large et augmenter la visibilité du Real Madrid dans les nouveaux marchés. De plus, le marché africain représente un potentiel important en termes de supporters et de revenus commerciaux. Et l'arrivée de Victor Osimhen pourrait être encore la présence du Real Madrid sur le continent. Et pour finir, l'arrivée de Victor Osimhen au Real Madrid serait possible du fait des besoins actuels du Real Madrid. Le Real est un club qui vise toujours l'excellence et la recherche constante des joueurs qui peuvent permettre à l'équipe et relever de nouveaux défis. Bien que le club dispose déjà de joueurs de renom tels que Vinicius, l'arrivée d'Osimhen pourrait proposer une alternative intéressante et complémentaire à l'attaque madrilène. De plus, Benzema vient de quitter le Real Madrid et donc on peut dire que cela offre ainsi à Osimhen l'opportunité de prendre progressivement le relais en tant qu'attaquant principal du Real Madrid. L'intégration d'Osimhen pourrait également apporter une nouvelle dynamique et une saine compétition au sein de l'équipe, ce qui favorise les performances individuelles et collectives. En résumé, bien que l'arrivée de Victor Osimhen au Real Madrid ne soit pour l'instant qu'une rumeur, il existe des arguments solides pour étayer la possibilité de ce transfert. Ses performances sportives exceptionnelles, son potentiel commercial et les besoins actuels du club en font un choix logique. Si le transfert devait se concrétiser, il serait intéressant de voir le commentaire d'Osimhen s'intégrerait dans l'équipe et contribuerait à atteindre les objectifs du Real Madrid sur le plan national et international. Voici pour ma vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et ciao.